qui mangeait n'importe quoi. C'est vraiment mon livre de chevet, ma botte secrète, un vrai coup de cœur. Que, d'ailleurs, c'est avec ce livre-là que je suis devenue bibliothécaire. Manu Larcenet, en fait, on le connaît à travers Fluide glacial. Donc, il va s'approprier un conte traditionnel avec un loup, effectivement, qui va dévorer tout ce qui se présente. Mais à son grand désarroi, à chaque fois qu'il mange sa proie, il récupère les tares. Alors, c'est marrant. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. On traite aussi de la différence parce que ça pète, ça rote, ça mange les ongles. Donc, voilà, c'est un conte qui est très bien mené et en plus, en alexandrin. Je vais t'en guérir au contraire. Et bien vite, dit le loup, qui sur la brebis se précipite. Et l'avale. Repas superbe, une vraie fête, qui enfonça le loup dans une longue sieste. Et voilà, c'est le début d'un de ses. C'est sa première rencontre, c'est le début d'un long périple où il va rencontrer différents personnages.